L'usage répété et accumulé des seaux d'eau, voire savon, pour le lavage des mains, surtout en cette période, pourrait, dans une certaine mesure, être la cause de la propagation du Covid-19. En tout cas, c'est parmi les questions à quoi les experts doivent répondre de façon unanime, mais sans attendre d'être fixés à un groupe d'ingénieurs congolais et techniciens à penser à l'invention d'une station mobile intelligente de lavage des mains, un système automatique qui aide les Congolais à se laver les mains sans toucher les robinets. Un reportage sur cette station est signé Hightech de Biwan. Un groupe de jeunes ingénieurs et techniciens congolais ont conçu une station mobile de lavage de mains intelligente. Cette station mobile met l'innovation technologique au service de l'hygiène pour réduire la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. La solution que vous voyez ici avec nous, nous l'appelons une station de lavage de mains intelligente. C'est une façon pour nous les jeunes techniciens de venir au secours de la population suite à ces fléaux de maladies liées au toucher, entre autres les corona et d'autres maladies liées. La station permet un lavage de mains en évitant les contacts avec l'outil du lavage. Le système fonctionne d'une manière automatique. Dès que l'usager présente ses mains, le système détecte leur présence. Les savons liquides et l'eau vont automatiquement couler. En donnant à l'usager la possibilité de laver ses mains sans toucher les robinets, cette station de lavage de mains réduit l'exposition aux germes et microbes qui prolifèrent sur les robinets. La station mobile automatique a circulé dans quelques communes de la ville-province de Kinshasa. Ici, au rond-point Victoire, la population a loué cette belle initiative. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative, c'est encourageant. Et puis, j'invite tous les Congolais, je pense qu'il y a un monde à matcher, poste mourir au chocolat, ma boucle quelque part, à hésiter. Parce que la maladie se propage, et puis, finalement, vivre dans la spéculation en disant que malade est athée, malade est ébomatée. Nous confirmons encore que la maladie est là. Et le bourgmestre de la commune de Kalamu s'est aussi exprimé. De nous emmener une nouvelle technologie, sans pour autant toucher au robinet, sans pour autant toucher quoi, au gel de douche et consort, non. Mais vous posez seulement votre main, l'eau coule, et vous avez du gel, et vous avez du savon, et ça évolue. Donc ce sont de jeunes gens à encourager et à féliciter.